Bon, bah, c'est parti. Ingo. Donc, bonjour, Mathieu. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jérôme. De blog. Alors, en fait, j'avais une première question, c'est... est-ce que tu es un joueur? Non. 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 Pas du tout. Pas du tout. Même pas les jeux de baston, comme on dit... Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah oui. D'accord. Okay. J'ai une PS2 à l'époque, j'ai dû y jouer peut-être aller 40 fois avec il y avait le petit Sonic là à l'époque là. J'ai joué très peu et puis après la PlayStation 3 on a été offerte par Vin Diesel d'ailleurs qui m'a sympa. Ouais. Et donc j'ai mis c'était plus pour les Blu-ray en fait. D'accord. Ouais. OK. Et Saints Row, ma fille elle aime bien malheureusement à 12 ans elle aime bien Saints Row. OK. Et donc, est-ce que tu as testé le jeu? Oui, par contre, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? J'en ai testé deux, en fait. J'ai testé l'UFC au départ, que j'ai trouvé très difficile, même pour moi qui suis quand même, je suis un peu dans le truc. J'ai trouvé très dur. Difficile à jouer. Bon, par contre, une fois que deux adversaires, entre guillemets, entre potes, savent jouer, ça peut être sympa. Mais sinon, je pense qu'il doit y avoir des heures, des nuits entières à passer sur le truc, sur le jeu, avant de pouvoir vraiment s'exercer et puis prendre du plaisir. Voilà. Que ce jeu-là, ce que j'aime bien, moi, c'est que... C'est l'instantané. Voilà, c'est l'instantané. C'est un petit peu comme l'autre, c'est comme si on allait prendre une leçon de boxe taille et de jiu-jitsu, l'autre, c'est comme si un défouloir, un sac, et puis papa, tu tapes n'importe comment dedans, et puis c'est marrant. Ok. Ça te fait pas bizarre de voir ta tête en jeu vidéo? Non, j'ai déjà vu ça quand j'étais jeune. J'en ai fait sur PS2, on l'a fait ça, c'était avec K1 Grand Prix. D'accord. On l'a fait avec des capteurs, ça et tout. Ah, ok. C'est sympa comme expérience. Ouais, c'est sympa, ouais, bien sûr. Ouais, c'est bon. Ok. Quand tu joues à ce jeu-là, est-ce que tu joues avec toi-même ou tu préfères prendre quelqu'un d'autre? Je préfère prendre quelqu'un d'autre. D'accord. Ouais. Et si tu te rencontres. J'ai perdu contre moi-même, tu vois. D'accord. Voilà, donc d'ailleurs, j'ai pris une petite séance là chez le psychologue parce que je perds contre moi-même, c'est pas bon. C'est clair, et ça faisait pas mal de se mettre des coups à soi-même. Ouais. Putain, c'est bien. Foiré. Merde. Bon, bah merci d'avoir répondu à Mathieu.